Cette montagne au fond, elle est tellement austère, c'est magnifique. Il y a un chemin de rando qui monte exactement dans la zone où il se situe, et ça c'est parfait. Là c'est parti. Kilomètres de marche, quelques centaines de mètres de dénivelé. Et puis on arrivera plus ou moins sur la zone. Donc je pense qu'à cette heure-ci, il est 10h. Je pense qu'on va arrêter de bramer jusqu'à la fin de l'après-midi. Donc ce sera aux traces que ça va se faire, au pistage. Il s'agit d'être très prudent parce que les mâles en rute, ils ont plus vraiment la perception de la réalité. Et donc ils sont complètement fous, excités. Ils arrêtent de se nourrir pendant des semaines. Ils perdent jusqu'à un tiers de leur poids, donc sur des bêtes de 250 kg, 200-250 kg, ça fait beaucoup. Alors du coup ils sont assez excités, assez énervés. Ce qui est intéressant ici, c'est cette trace qui est typiquement une trace de cervidés. Elle n'est pas toute fraîche, mais ça signifie qu'ici il y a du passage en tout cas. Et donc je vais suivre la trace dans la direction qu'elle mène dans la forêt. Voilà. Ici, des crottes de cerfs qui sont pas toutes fraîches. Elles doivent avoir deux jours, trois jours certaines. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des sèches et il y a des mouillées. Donc c'est un lieu de passage. C'est super raide. Heureusement que j'ai mes bâtons. Je pourrais pas monter là sinon. Ah, ça grimpe là-bas. Et puis moi je viens de là. Autant te dire que c'est sacrément raide là. Je vais faire une petite pause là pour écouter la nature. En évitant de filmer avec un trépied dans des pentes pareilles. Et moi et se reposer par en dessous. Dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien écouter ce qui se passe dans la forêt. Une pierre qui tombe, une branche qui se casse, ou simplement un envol d'oiseau signifie la présence de quelque chose. Rien n'arrive par hasard, c'est pour ça que dans la forêt, il faut marcher tout doucement, sans faire de bruit. Pas casser de branches, pas marcher sur les pifs, éviter de faire tomber des cailloux. Voilà, c'est pour ça que c'est très difficile ce jour d'approche. Mais là, j'ai pas fait d'erreur pour le moment. Déjà par terre. Là on voit clairement.
risqué de traverser à découvert la petite clairière, c'est impossible. Si je le fais, je risque de louper tout le truc. Les premières femelles qui sortent. La biche avec sa petite. La tendance, elle a été de monter en fait. Donc là, ils se situent la plupart entre les myrtilliers et puis l'alpage en dessus. Et il y en a quelques-uns qui sont déjà à la cime de la montagne. Et puis les brames s'intensifient vraiment. Donc ils se regroupent tous avec les femelles à cet endroit. J'ai compté 10 mâles, en tout cas 10 mâles, juste sur la paroi là. Et à peu près la même chose en femelles. Ça devrait normalement doubler, voire tripler. En tout cas, les femelles, en général, viennent beaucoup plus nombreuses. Ce que j'ai pu voir, c'est plutôt des dizaines de femelles. Et là, ils sont vraiment de plus en plus actifs. Ils se regroupent tous autour d'une souille. On voit le plus gros mâle, le plus vieux, je pense, qui se met de la boue partout. Regardez un petit peu la carte, ils peuvent remonter la zone en fait
juste ici, là. À mon avis, c'est ce qui va se passer. Donc j'avais vu juste, ils vont monter. Exactement là. Je pense qu'ils sont en train de se regrouper. À cette distance, ils peuvent pas me voir de toute manière, ni me sentir. Tiens, le vent tourne. Si ça se déplace un peu à gauche, ce que je vais faire, c'est que je vais monter pour essayer de voir si je peux intercepter leur passage. À mon avis, ça brame aussi derrière. Regardez ce paysage incroyable. C'est dingue. Il faudrait qu'il y ait un cerf qui sorte là, paf, la montagne. Je pense que c'est juste au bon endroit pour ça. Un peu plus bas peut-être, on va voir, j'ai traversé la forêt. Et puis regardez, profitez de ça quoi. C'est vraiment spectaculaire ici. Splendide. Avec le soleil qui se couche au fond. Enfin qui se couche, qui descend. Bon, j'ai entendu quelques coups de brame par là. C'est pas impossible que je croise un beau mâle. On va voir ça. Tout près de moi, lui. Thank you.